Le 8, c'est le dernier à devoir rentrer. Magic Mercury. Voilà, c'est fait. Et c'est parti. C'est parti pour 2300 mètres. Mauvais départ du 7 Circo Massimo, hein, qui est resté un petit peu dans sa stalle. Pendant ce temps-là, on n'attend pas. Avec le 4 qui prend le meilleur départ sur Aya Maxima. Il y a également Particular Dream qui vient tout à l'extérieur sur les chevaux de tête. Particular Dream qui va d'ailleurs se rabattre en tête. On est bien parti également avec Anno Allemann qui vient parmi les concurrents de tête. Ainsi que le 14, Manzano qui est tout en dehors. Son compagnon de Kazakh, le 8 Magic Mercury, venant également en dehors, mais en léger retrait. On va sortir du premier tournant sous la conduite de Particular Dream avec Manzano qui est à son extérieur. À intervalle d'une longueur, on retrouve le 4 Soraya Maxima avec le numéro 11 Anno Allemann. On vire très au large avec Magic Mercury, le 8 qui progresse, l'autre Kazakh Academy qui est en cinquième position. Un peu plus loin encore, on retrouve Lord of Time qui patiente 6-7e actuellement le long de la corde avec le numéro 13 également Black Hills qui est bien placé. On passe devant les tribunes, il reste un tour à effectuer avec Particular Dream qui a l'avantage, Manzano en dehors. À intervalle de deux longueurs, on retrouve Magic Mercury. Derrière, on a un petit peu de mal avec le 11 Anno Allemann qui est déjà quelque peu sollicité pour suivre le rythme. Black Hill, c'est toujours au contact des chevaux de tête. On est un peu plus loin avec Lord of Time. Hein. On s'inquiète un peu pour l'un des favoris, Lord of Time, qui est quand même assez loin dans le peloton. Le peloton qui commence à s'étirer alors que Particular Dream mène toujours bon train. Manzano à intervalle d'une longueur. Une longueur derrière, Magic Mercury. Le 4 et le 11 venant ensuite. Soraya Maxima avec Anno Allemann. Lord of Time est en 6-7e position. Et on tente de se rapprocher maintenant avec Okelani qui vient tout à l'heure. La Kazakh bleue avec les étoiles jaunes. On se dirige vers le tournant final et le peloton se regroupe complètement désormais avec le numéro 12 qui prend le meilleur très facilement. Désormais, Lord of Time qui a accéléré subitement et qui laisse sur place Particular Dream qui a sans doute été beaucoup trop vite. Le peloton revient derrière avec le numéro 9, notamment Okelani qui se rapproche et bel effort également du numéro 11, Anno Allemann. Mais Lord of Time s'est débarrassé de toute opposition, semble-t-il. L'ultime à droite, Lord of Time qui compte 3-4 longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat qui est Anno Allemann, le numéro 11. Lord of Time qui semble déjà avoir course gagnée. Mais attention, ça devient dur maintenant pour Lord of Time. Anno Allemann qui vient de plus en plus fort. Oh, il s'arrête, Lord of Time. Il s'arrête sous le poids peut-être avec Anno Allemann qui prend maintenant le meilleur. Anno Allemann qui va s'imposer très facilement devant le numéro 12, Lord of Time qui sera deuxième. La troisième place pour le numéro 7, Circo Massimo, un extrême outsider. Et la quatrième place sera sans doute jugée à la photographie. En tout cas, le 12 est battu dans les derniers mètres. La quatrième place, on va la voir dans quelques instants. Le 11, Anno Allemann s'impose, 50 contre 1. Extreme Outsider également. Le 12 sera deuxième. Ensuite, on retrouve le numéro 7 et puis la photographie pour la quatrième place, peut-être pour le 8, hein, Magic Mercury. Mais on a bien fini également en pleine piste. On revoit cette ligne droite. Avec à cet instant Lord of Time qui est parti de loin, qui avait deux longueurs d'avance à l'entrée de la ligne droite et puis qui va voir cette avance fondre comme neige au soleil. Et Anno Allemann, qui a pourtant eu un parcours un peu en épaisseur, va venir dominer la situation. Le 11 s'impose, le 12 sera deuxième, le 7 sera troisième et une photographie entre le 4 Soraya Maxima et le 8 pour la quatrième place.